Bonjour amis gamers, c'est Ostrava, heureux de te retrouver sur cette nouvelle vidéo de Final Fantasy XII Zodiac Age. Aujourd'hui, nous allons récupérer le fragment de Terni dans le cadre de la quête Les Médaillons de Nabudis. Il faut d'abord avoir rempli les trois conditions que je vous ai mises dans le petit panneau. Une fois fait, rendez-vous dans la forêt de Salika en vous téléportant et affrontez le boss, le roi Bombo. Votre victoire vous ouvre la voie au-delà du chemin moucheté vers les terres mortes de Nabrius. Traversez le passage des rochers moussus pour accéder à la corniche muette où vous attend un cristal de sauvegarde ainsi qu'une vue imprenable sur les ruines de Nadubis. À l'issue de la scène, parlez au dénommé Macléo qui contemple ces mêmes ruines devant le pont abattu. Une fois fait, téléportez-vous à Rabanastre et dirigez-vous vers les égouts. Les écluses centrales abritent 4 mécanismes. Servez-vous de la clé des écluses sur le mécanisme du nord-ouest. Suivez ensuite les instructions données dans la lettre poussiéreuse.
ramasser enfin le fragment terni. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de Final Fantasy XII. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.